poste de commandement du bataillon de marche mixte du Centre Nord. Nous sommes dans l'univers de ceux qui ont décidé de s'engager sur le champ de combat pour défendre la mère patrie contre les groupes armés terroristes. Sans les galons, difficile de faire la différence entre FDS et VDP. Tous partagent cette tente de fortune. Ce sont les réalités de la vie militaire et les VDP s'y accommodent bien. VDP infirmiers, techniciens d'agriculture et mécaniciens, les différentes compétences sont détectées et affectées à des tâches spécifiques. Mes supérieurs ont toujours, on a mangé les mêmes repas ensemble, chose qu'on ne pouvait pas voir avant dans notre armée. Ils sont au devant des choses quand on part en mission, chose qu'on ne voyait pas avant. Vraiment, ça nous encourage quand ils sont avec nous. Aigle, Chaka, Condor, Fangafin, Ratel, Tchefari, Tigre, Tassouma et Wagner, 9 unités d'intervention cohabitent et mènent des opérations coordonnées dans ce bataillon de marche mixte du Centre Nord. Derrière chaque nom de baptême des unités se cache une histoire et des épreuves surmontées sur le terrain. Moi j'ai amené Tangafin, la vraie force. En attente d'être déployées sur le terrain, ces unités passent au rapport et sont briefées sur la mission du jour. Objectif, effectuer une mission de reconnaissance et surtout permettre à un particulier de préparer la réinstallation des villages reconquis et faciliter la vie dans d'autres villages déjà réinstallés. L'on doit parcourir environ 17 km pour rejoindre le point de destination. Sur l'axe susceptible d'être miné, les éléments motorisés sont en tête, guidés par le commandant du bataillon de marche mixte, le capitaine Beka, et les véhicules de combat assurent les arrières. Hé hey, Pharaon, soufflez. Selon le commandant du bataillon, il y a 2 ans, ce axe était impraticable. En témoigne ce pont qui porte toujours les séquelles d'une mine. Plus loin, l'on voit une carcasse d'une voiture qui a visiblement sauté sur une mine. C'était en janvier, nous confie notre binôme. Mais grâce aux actions des FDS et des VDP nationaux et communaux, les populations se réinstallent. La vie reprend son cours timidement sur ce axe. Nous sommes de Kaya. Nous sommes juste venus pour chercher du bois de chauffe et de l'herbe pour l'âne. Nous prions pour que la situation se stabilise, pour que nous puissions retourner dans nos localités d'origine et avoir à manger. Certaines personnes repartent déjà et nous nous réjouissons. Nous aussi, nous espérons y retourner et on a l'espoir. Les éléments du capitaine Beka progressent sous le regard admiratif des populations réinstallées. Après plus de 3 heures de route, nous sommes dans ce village que nous décidons de taire le nom, le dernier à être récupéré par les unités du bataillon de marche mixte. À en croire le commandant, le processus de récupération est toujours en cours. C'est quand on est arrivé, il y a un temps là où la population ne vient pas. Il y a un vieux que j'ai vu ici, en train de balayer sa maison. Ce jour-là, j'ai eu des larmes aux yeux. Je me suis entretenu avec lui, je lui ai posé la question. Mais pourquoi vous êtes venu? Regardez votre âge là, en ce moment, il était en train de faire 4 pattes, il n'arrivait pas à marcher. Mais pourquoi vous êtes venu? Il a dit que lui veut mourir chez lui. Le vieux en question, le voici. Les caméras et appareils photo, le stress. Interrogé, l'émotion se fait toujours sentir dans la voix. C'est grâce à vous que nous avons pu revenir dans nos villages. Grâce à vos prières, nous sommes là. La peur est finie et nous sommes très heureux. Nous nous réjouissons de votre présence ici. Nous voulons que le reste de la population puisse regagner le village. Tout comme lui, les populations saluent les actions des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie. Cela fait 44 jours que nous sommes là. Depuis que nous sommes arrivés, rien ne nous dérange ici. Les FDS et VDP travaillent, sauf que nous n'avons seulement pas à manger. La nuit, on dort bien, rien ne nous dérange. Que la paix et la stabilité reviennent au Burkina Faso et qu'il y ait aussi la cohésion entre les différentes communautés. Dans les échanges, l'on nous confie qu'un terroriste qui tentait d'infiltrer le dispositif a été abattu la veille. Nous sommes visiblement en territoire ennemi. Le dispositif change, les éléments motorisés quittent l'axe principal. Le véhicule des mineurs est en tête. Après quelques kilomètres, nous sommes à destination. Un périmètre de sécurité est établi. Tapis dans les buissons avec notre binôme, la peur se fait sentir. Difficile de stabiliser par moment la caméra. Il est 13h, le soleil n'est pas un allié, mais c'est le moindre mal. Le poids du gilet se fait sentir. La mission de reconnaissance s'effectue et le drone est mis à contribution. Répétez communication pour dire. RAS, aucune présence des groupes armés terroristes détectés. Ils ont dû prendre la poudre d'escampette, nous confie notre binôme. Sur le chemin du retour, la vigilance est toujours de mise.
aux environs de 16 heures, nous regagnons la base. Mission accomplie pour le capitaine Beka, commandant du bataillon de marche mixte du Centre-Nord. Ce bataillon est sous la responsabilité du commandant Amadou Sanou, commandant du groupement de force pour la sécurisation du Centre-Nord, GFSN. Elle est blessée ? Merci. Est-ce qu'il y a une question particulière ? Nous sommes dans un projet, dans un très grand projet. Nous sommes en train de faire notre partition. Comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas seuls. C'est en collaboration avec toutes les forces qui sont dans ce groupement de forces-là. Ici, la contribution des volontaires pour la défense de la patrie n'est plus à démontrer. Des civils formés à 45 jours et déjà opérationnels sur le terrain. Hommes et femmes, tous manient avec dextérité les armes. Des volontaires, ils le sont. Des combattants aguerris, ils le sont également. Et de la détermination, ils en font preuve. Le premier responsable de ce pays-là, c'est à ça qu'il croit. Et c'est pour ça que nous, on est là. Hommes et femmes manient les armes avec dextérité. Hommes et femmes manient les armes avec dextérité. Les femmes sont au front. Les hommes sont au front. Personne ne viendra faire le combat à la place des Burkinabés. Je l'ai toujours dit et signifié. Les avant-gardistes, celles qui donnent la vie, les femmes, elles sont au front. Elles sont en train de combattre. Elles sont en train de combattre pour ne pas que leur pays puisse disparaître, le Burkina Faso. Le capitaine Beka, à la tête de ces soldats-là, on tenait à vous saluer. Vous voyez, la population est heureuse. Vous voyez comment la population accueille bien ces soldats et leur dit merci. Voici le travail que les gens, que nous demandons que toujours, et nous avons décidé de vous montrer de l'armée burkinabé sur le terrain. Nous avons décidé de vous restituer les faits. Comment l'armée burkinabé est en train, n'est-ce pas, de défaire les villages, les localités, n'est-ce pas, de l'emprise des terroristes qui ont semé la désolation. Témoignage émouvant d'un VDP, d'un soldat, qui dit que nos chefs sont avec nous sur le terrain. On combat ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Il dit, auparavant, il n'y avait pas ça. Actuellement, là, c'est l'entente totale, c'est l'union entre, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité burkinabè. C'est l'union totale entre les forces de défense et de sécurité burkinabè. C'est là qu'on voit que l'entente est là. Malgré que certaines personnes avaient dit que il y avait la division dans l'armée, la gendarmerie était comme si l'armée était... Vous avez vu? L'armée, je vous avais dit que l'armée est occupée à autre chose. L'armée est occupée à sécuriser son territoire. L'armée n'est pas dans le combat puéril de certains qui veulent le pouvoir. Regardez encore ce que l'armée a fait. L'armée a encore frappé. Regardez encore ce que l'armée a fait. Extraordinaire. Touka, dans le Sahel, ce 26 octobre. Des terroristes affluent par dizaines sur une position. Objectif, tendre une embuscade au convoi Arbina Dori. Ils sont bien suivis par les vecteurs. Sous un arbre, en coordination de la date sûrement, ils sont verrouillés et frappés. Wow! Bravo! Ils sont brûlés avec leur logistique. Les cadavres et blessés sont visibles depuis les cieux. Les rescapés transportent des blessés et s'enfuient vers une nouvelle position. Sous un grand arbre, se croyant à l'abri, ils sont frappés avec efficacité. Bigo! Deux rescapés traumatisés s'en sortent et essaient de prendre la poudre d'escampette. Peine perdue. Ils sont engagés par les canons des hélicoptères d'attaque pour achever le travail. Pour achever le travail. Vous avez vu? L'armée burkinabé est sur tout le front. Tous les fronts. Les terroristes qui étaient déjà regroupés sous un arbre pour tendre une embuscade aux soldats qui arrivaient. Mais je vous ai toujours dit que le travail se fait en l'air et le travail se fait pas à terre. Pendant que les drones sont en train de surveiller, ils ont repéré. Frappe chirurgicale. Ils ont pulvérisé en même temps, déchiqueté ces esprits mortifères.
Ils ont été envoyés au repos éternel. Au repos éternel. Excusez-moi pas de cette erreur. Pour cette erreur. Voici le travail sublime ici que fait l'abbé burkinabé. Peuple du Burkina, bientôt votre pays sera libre. Peuple du Burkina, bientôt votre pays sera défait des terroristes. Peuple du Burkina, bientôt, partout, il n'y aura pas d'insécurité. Il faut accompagner toujours la dynamique. Il faut accompagner le gouvernement de transition, le président capitaine Ibrahim Traoré, qui est le médicament des terroristes, qui est le cauchemar des terroristes, qui est le nivakine des terroristes, qui est le paracétamol des terroristes. Le chirurgien des terroristes s'appelle capitaine Ibrahim Traoré. Lui ne négocie pas, tu déposes les armes ou bien tu es neutralisé. Peuple du Burkina, courage à vous. Armée du Burkina, courage à vous. Venez du Burkina, courage à vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Partagez la vidéo.